ce jeûne m'a rapporté la paix et une certaine discipline et de pouvoir lire la Bible, chose que je ne faisais pas souvent. Je demande à Dieu de se rappeler, de me se rappeler, de revoir mon statut. Amen. Je ne te dis que c'est mon retour. Et mes mêmes mon polynésia. Je suis la première chose. Je dirais à Dieu. Je l'appelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Car oui, tu vas revoir mon statut. Merci à madame au couple Seta, Seta Onda et pasteur Seta. Merci. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Oh, j'ai vu mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh, Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Merci, merci pour ce moment de jeûne, merci pour ce temps qui nous a vraiment fortifié dans le Seigneur. Et surtout avec la méditation d'Apocalypse, on peut se rendre compte que notre Père, il établira sa justice, quel que soit le temps, soyons patients. Parce qu'on avait peur de l'Apocalypse, on avait dit la fin du monde, mais maintenant, on se rend compte que c'est plutôt la justice de notre Père qui va régner. On se rend compte de qui est Jésus, ce l'agneau immolé qui a donné de son sang, celui qui est digne d'être élevé, celui qui est digne d'avoir la royauté, la souveraineté, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Élevons-nous lentement, quand le Dieu de gloire fera son entrée. Et je me rends compte que Apocalypse nous a ouvert les yeux, moi m'a ouvert mes yeux spécialement. Et du coup, je vais continuer encore, s'il faut relire encore pour m'imprégner de la parole. Je vous dis infiniment merci, pasteur Sekei, à votre époux. Vraiment, on reste encore dans la prière, on se maintient encore pour qu'on puisse avoir le salut. Parce que oui, moi je veux le salut et j'aurai le salut. Que votre vie soit bénie, que votre ministère soit béni, que votre vie soit bénie.